Et bonjour à tous, et bien c'est aujourd'hui au Magic Kingdom que je vais passer la journée, enfin tout au moins que je vais débuter la journée. Elle commence sous le soleil, contrairement à hier soir quand on a terminé sous la pluie durant le show à Hollywood Studios et que je rentre à l'hôtel, il a quand même pas mal plu. Du coup, l'avantage c'est que ça a quand même rafraîchi les températures puisque ce matin il fait 22-23 je crois degrés et c'est plutôt pas mal. J'espère que ça n'a pas trop monté aujourd'hui, ça permettra d'être un petit peu plus au frais pour bien profiter de cette dernière journée déjà à Magic Kingdom. Alors je suis pas à l'abri de switcher de parc comme je l'ai fait hier, c'est-à-dire que quand j'aurai fait à peu près tout ce que j'ai envie de faire, eh bien je pourrais, grâce au billet Park Hopper qui permet de changer de parc à partir de 14h, eh bien changer et puis peut-être aller faire autre chose. En tout cas, j'ai déjà une réservation pour Tron, hein, comme d'habitude, tous les matins, on se connecte pour faire la réservation pour Tron. Bon, ça devrait être dans la matinée normalement. J'ai encore le numéro 37. J'ai souvent le numéro 37, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je me connecte toujours à la même heure, je ne sais pas. Ça, c'est à voir. Eh bien, on va rentrer sur le Magic Kingdom et je vais regarder aussi à quelle heure sont les shows parce que j'aimerais bien refaire les shows au niveau du château qui sont super sympas. Bon, allez, c'est parti pour une nouvelle journée à Magic Kingdom. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà beaucoup de monde sur la destination. Je vais voir pour les entrées hôtel, il doit y avoir un petit passage. Et puis de toute façon, il va falloir passer de la sécurité. Mais à mon avis, j'ai peut-être des chances de la passer un peu plus light vu le monde qu'il y a. Beaucoup de monde ce matin sur le Magic Kingdom. Donc c'est bien ce que je pensais. Hein. Vu le monde, la sécurité, il n'y a pas eu la fouille de sac. Et bah, là, on n'a plus qu'à aller badger pour pouvoir rentrer. Je profite une des dernières fois où je vais rentrer, c'est même la dernière fois où je vais rentrer le matin sur Main Street, puisque même si je décide d'y aller demain, étant donné que demain c'est Epcot qui est réservé, je pourrais rentrer sur le parc Magic Kingdom qu'à partir de 14h. Donc c'est mon dernier matin sur le Magic Kingdom. Et toujours l'arrivée sur le château. Alors maintenant que je connais un petit peu le parc, je sais que les entrées dédiées pour les guest hotels, donc les entrées l'équivalent des EMT, il faut passer par Tomorrowland. Donc maintenant je cherche même plus, je passe par Tomorrowland, me voici. En fait, je me suis remis juste devant le château parce que à 8h55, il y a la cérémonie d'ouverture avec Mickey et Minnie que j'avais pas encore vu. Il y a encore des choses hein, que j'ai pas encore vu. Et du coup, je suis ressorti du land Tomorrowland pour me placer juste devant le château et pouvoir filmer ça et puis en profiter. To all who come to this happy place, welcome and good morning, everyone. We have some extra special friends here to welcome you all today. Let's hear it for Mickey Mouse and Minnie Mouse. Well, hi everybody. Good morning. Gosh, it sure is great to see so many amazing friends. It certainly is. Oh, I have a feeling today is going to be the best day ever. You said it, Minnie. And now that we're all together, we've got a surprise for you. When everybody heard that you were going to be here, they just had to come and give you a great big Magic Kingdom welcome. Shout, let the magic begin! Are you ready? One, two, three! Let the magic begin! Secret recipe, see to us! Welcome to
welcome to the magical Friendship Fair! He's malicious, mean, and scary. His sneer can curdle dairy. He's always here to be a concert pianist. Can't you see me on the stage performing Mozart? He's got a dream, he's got a dream. See, I ain't as cruel and vicious as I seem. Je craque sur ce show, je le trouve super sympa et je vais le refaire. Hein. Il y en a encore 3 dans la journée, vu qu'il y en a 4 en tout. Et je vais aller le refaire parce que je l'adore, je le trouve trop trop bien. J'étais pas encore rentré dans la boutique à la sortie du Phantom Manor, donc du Haunted Mansion. On a des articles qui sont thématisés et qui sont uniquement dans cette boutique. Donc, je les ai pas vus dans les autres boutiques. Jersey. C'est super sympa le Jersey. Soon as you came across who I am not.
Je suis ressorti de la boutique thématisée sur le manoir. Franchement, il y a beaucoup d'articles de déco et c'est très sympa. Franchement, c'est très très joli. Et ça tombe bien que je l'ai vu parce que ça fait plusieurs fois que je viens quand même sur Magic Kingdom et j'avais pas encore vu cette boutique qui est dans un petit recoin. Et du coup, bah faut aller la voir, c'est sympa. Petit tour de People Mover. C'est la première attraction que j'avais fait, la toute première fois où je suis venu au parc Magic Kingdom. C'était ma première attraction du matin. Et puis là, je vais la refaire parce que c'est à l'ombre, c'est assis, il n'y a pas trop d'attente. Et puis ça permet de voir le parc de haut. Alors pourquoi se gêner? On y va. Cette attraction, ça nous présente l'évolution technologique à travers les années, en partant des années 50 jusqu'à aujourd'hui. C'est rigolo, ça passe quelques minutes, enfin quelques minutes, ça passe une vingtaine de minutes, mais c'est pas mal. Je viens de regarder la parade passer et bah, il pleut. Ça y est, la pluie est arrivée à nouveau, comme hier soir, mais un peu moins fort quand même. La pluie est arrivée sur le parc. Je pense que ça va encore un petit peu nous rafraîchir. Hello. Je pense que ça va un petit peu nous rafraîchir. Et puis voilà, bah, je vais peut-être aller manger un petit bout, puis on va voir ce qu'on fait après. Bon, eh bien, je suis rentré à l'hôtel parce que je me suis pris une bonne pluie. J'étais bien mouillé, je suis rentré à l'hôtel pour m'en poser un petit peu et en même temps pour prendre une douche. Et je suis revenu ici au Magic Kingdom en espérant qu'il pleuve moins. Alors, il pleut moins, mais il pleut toujours, ce qui fait que le parc s'est quand même pas mal vidé. Il est 19h15, donc le show est dans 3h, on a un peu le temps. Je vais retourner suite à Fantasy, voir si, comme il y a un peu moins de monde, savoir si je peux faire une ou deux attractions avant le show de 22h. Bah, direction Fantasyland, sous la pluie, ici au Magic Kingdom. Avec la pluie, Peter Pan est annoncé à 70 minutes, donc c'est énorme. Et Small à 5 minutes. Je choisis quoi? Bah, je choisis Small. Allez, c'est parti, 5 minutes, on fait Small tout de suite. Alors la pluie s'est à nouveau bien installée sur le parc. Je sais pas si ça va se calmer d'ici ce soir, en tout cas c'est mal barré. Bon, du coup en attendant je suis rentré dans un resto pour couper un peu et pour me permettre d'être à l'abri le temps de pouvoir ressortir. Et du coup je me suis mis sous des parasols qui servent de parapluie pour l'instant. Et la pluie est... Bah voilà, c'est la pluie d'ici.
Il pleut pas souvent, mais quand il pleut beaucoup. Bon, bah, j'en profite pour m'abriter dans une boutique où j'avais pas vu cette petite figurine de Donald et de Mickey. Comme quoi, des fois, s'abriter dans les boutiques et juste lever les yeux, bah, on voit des trucs sympas. Ouais, et puis j'ai vu qu'il y a un Monopoly. À peu près comme le nôtre, mais ici, il est beaucoup moins cher parce qu'il fait... Il fait combien ? 49$. Or chez nous, il valait 70€. En fait, le thème de la boutique, c'est la musique parce qu'on est juste à côté de l'attraction de Mickey Filard Magique. C'est pour ça. Bon, et plutôt que d'attendre dans la boutique, eh bien, moi aussi, je vais faire Mickey Filard Magique que j'ai pas encore fait ici. On va voir si c'est le même que chez nous. Et puis en même temps, bah, ça va me permettre peut-être d'attendre avec un peu de chance que la pluie s'arrête. Alors Mickey et son orchestre Filard Magique, alors je ne me rappelle plus la version qu'on a chez nous à Disneyland Paris, mais en tout cas celle-là elle est super sympa, ça m'a permis de passer une bonne vingtaine de minutes à l'intérieur et du coup dehors maintenant je vois qu'il fait nuit mais qu'il pleut toujours. Alors à un moment il va bien falloir que je sorte de la boutique, je vais sortir, je vais prendre un peu la pluie et bah, je vais voir ce qu'on va faire, je ne sais pas du tout. S'il continue à pleuvoir, je vais peut-être pas attendre sous le château, je vais retourner sur Main Street et puis voilà, bon bah c'est reparti sous la pluie. Bah, bien, je suis passé devant Phantom Manor et je vois 10 minutes d'attente. Je me dis bah vu que Phantom Manor c'est à l'intérieur, on va être protégé de la pluie parce que là ça tombe vraiment beaucoup. Bah, je sais pas ce que je vais faire pour l'Ever After, j'espère que ça va se calmer, que je puisse le voir, parce que ça serait quand même pas mal, c'est la dernière fois que je peux le voir aujourd'hui, ici au Magic Kingdom. Et tiens, bah, j'en profite pour faire un petit plan sur les statuettes. Et voilà, oui, donc c'est la dernière fois que je pourrais le voir sur Magic Kingdom, puisque demain, si tout va bien, si le temps n'est pas aussi pourri que ça, je serai à Epcot demain soir pour... Pareil pour la dernière journée de parc. Bon, je rentre tout de suite dans l'attraction. Alors, je suis sorti de Phantom Manor. Bah, c'était cool de le refaire à nouveau. Par contre, bah, il pleut toujours. Et ils ont laissé la clim dans l'attraction, ce qui fait que je suis mouillé. Et mouillé plus la clim, je commence à avoir froid. Alors, je me plains toujours de la chaleur. Là, depuis 10 jours que je suis là, je me plains de la chaleur. Bah, là, je commence à avoir froid. Et bien sûr, comme un abruti que je suis, je n'ai pas pris mon sweat et je suis juste en t-shirt. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, ça va être la fin du séjour, donc si je suis malade, je serai malade en rentrant. Alors je viens de me demander, en fait le show commence à 9h30, le parc ferme à 10h, mais contrairement à chez nous, où quand le parc ferme à 10h, bah, le show commence à 10h, et bien là il commence à 9h30. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à l'abri, il est 9h, hein, je vais me mettre à l'abri un tout petit peu de temps, et je vais ressortir pour allez, 9h20, le temps de me placer un petit peu correctement, mais de toute façon, même si je suis pas juste devant, je l'ai déjà vu, et puis en général... En général, même en se plaçant pas longtemps à l'avance, on arrive à avoir des bonnes places. Allez, je vais tout de suite m'abriter un petit peu dans une boutique et je ressors d'ici une petite demi-heure, le temps de se placer. Alors, je me suis placé là. Alors, je suis moins bien placé que d'habitude, mais bon, faut dire que je suis venu juste 5 minutes avant. Et voilà, bah, là, je vais pas filmer le show, ça sert à rien. Je vous ai déjà fait beaucoup d'images lors des dernières vidéos. Et comme en plus je suis pas non plus super bien placé et qu'il continue à pleuvoir, je vais ranger la caméra et je vous ferai un petit au revoir juste après à la sortie du parc. Et voilà, c'est sur Main Street et toujours sous la pluie que va se terminer cette journée au Magic Kingdom. Bah encore une fois avec des étoiles plein les yeux pour ce Disney Ever After que je ne m'en lasse pas. Franchement, je ne m'en lasse pas. Demain matin, ce sera Epcot comme parc pour le dernier parc du voyage puisque après, eh bien, c'est terminé. Je devrais rentrer à la maison.
c'est comme ça. Après 10 jours de parc et 15 jours ici, ça sera le moment du retour. Donc demain matin, c'est Epcot. Et puis dans l'après-midi, je suis pas à l'abri de changer de parc. Mais ça, on verra en fonction de la journée et puis en fonction du temps. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à découvrir ou à redécouvrir certaines parties du parc, parce qu'il y a certaines parties qu'on avait effectivement déjà fait. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne, comme d'habitude, une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.